השם ופסה אדמה יפייה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם כי נעצו הנשים האלה את השם. Là, Moshe Rabbeinu, kavyachol, c'est la première fois qu'on voit ça. Moshe Rabbeinu est en train de prier Hachem, Hachem iftar et adama, qui ouvre la terre et qui les avale à tous. C'est-à-dire que normalement, on voit ici pour l'olam, Moshe Rabbeinu en train d'avoir un comportement très azari, très dur, très digne envers Korah, Adato et Kol HaDvarim HaEleh. Attention, il faut bien se remettre dans le contexte. Moshe Rabbeinu est conscient qu'il a ici un grand homme devant lui. Et il a ici 250 skins. C'est pas des rigolos. C'est pas une bande de voyous qui sont arrivés et qui veulent tout casser. On parle de Anakim, c'était Anakim. Et Moshe Rabbeinu sait très bien où ils sont en train de se faire un nœud. Il sait où ils sont un nœud. Ils sont un nœud dans Kinas Sofrim. Moshe Rabbeinu connaît la Souga, il connaît bien la Souga. Il sait qu'ils ont un problème dans Kinas Sofrim. Tarbe Chokhma. Ils ont un problème avec le Imti Tifset. Ils sont coincés avec le problème de Imti Tifset. Tout ce qu'on a expliqué. Donc il sait où ils sont. Moshe Rabbeinu tente d'essayer de les aider, en leur disant, on ne va pas régler ça tout de suite, revenez demain. Ils se disent, c'est des chachamim, c'est des nevonim, c'est Vatay qui vont faire Hishbon HaNefesh. Vatay, après coup, ils vont réagir, ils vont réfléchir, ils vont peser le pour et le contre, ils devraient normalement arriver à comprendre l'erreur qu'ils sont en train de faire. Okay? Qu'en fait, c'est vrai qu'il y a Kina Sofrim, mais intétif c'est. Pas dans ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, après qu'eux n'ont pas compris, n'ont pas fait Hishbon qu'il fallait, ils sont venus. Et c'est devenu vraiment une marloquette chamoura merod, à tel point que ça commence à déstabiliser Am Israël. Am Israël s'y voit demain une marloquette entre deux gdolim, comme on a connu un peu. Une marloquette qui prend de l'envergure, qui devient, mamash, idgodedou. Ça devient deux clans, Kaviro. Ou maintenant on voit mamash, un clan qui prend un chemin, l'autre un autre chemin. Qui remet tout en question, parce que c'est pas quand même marloquet, où on discute sur une halakha ou quoi, pas ça va, je pense comme ça. On est habitué dans le monde à Tola, vivre dans les marloquettes. Les marloquettes, c'est notre vie. On vit dans la marloquette du matin au soir. Marloquette, va chez toi, on est un produit de la marloquette. On est comme ça de marloquette. Alors quoi, on va être mitragèche parce qu'on aurait une marloquette? Non, parce que là, tu remets en question les sodotes même. Quoi, mon cher Rabbeinu, un avis ou là, un avis? Bon, alors là, me dit Berito, là. C'est un imposteur, c'est un chakman. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que ça fait la matitna soit le kalachem? Pourquoi c'est nous? C'est nous qu'on est venu, qu'on a choisi, qu'on est là? C'est pour l'orlam. Tu n'étais pas à Mahamad al-Sinai? Ou tu étais qu'on a à ce moment-là? Tu n'étais pas à Mahamad al-Sinai? Tu n'as pas vu comment pour l'orlam parlait par ma bouche? Tu n'as pas vu comment? Qu'on a dit, c'est vrai, quoi, il a vu tout ça. Mais quel problème en Boutaï? Il se fait un nœud avec qui n'a souffert. Kinas Sofrim, c'est quelque chose de très très dur, parce que c'est le Kaviachol, c'est le nœud du Ben Torah, le nœud du bonhomme qui a des chiffres de vie. Dans le Torah, c'est là-bas le point très délicat. C'était là-bas où le point où sont tombés tous ces Anakim, comme Caïn, comme ça, qui sont tombés à cause de ce point-là de Kinas Sofrim, qui le met à un moment donné face à quelque chose de très dur à gérer, très dur à gérer. Il faut être un surhumain, un superman pour ne pas tomber dans ce genre de inanime quand tu rentres dedans. Tu rentres pas dedans. Mais quand tu rentres dedans, ça devient très dur à gérer. Parce que tu es en masse, C'est-à-dire, c'est comme si tu jouais avec la litre trop haut, mais pour que ce soit efficace, il faut que ce soit traité un micromillimètre d'un baril d'essence. Tu as une étincelle, un peu, rapproche-toi plus, c'est pas assez proche. Parce que sinon, tu ne traites pas le truc. Mais ça va exploser. Je sais, mais alors tu as fait. C'est le roi Bayon. Il faut aller très très loin pour être sûr que j'ai mis tous mes corottes et tout ce que j'avais en moi pour arriver au maximum de ce que je peux arriver. Mais attention, quand tu es là-bas, Hazé Shalom, ça peut te t'éjecter. C'est ce qu'il a fait, Korah. Et là, Moshe Rabbeinu est en train de le prévenir. Il le prévient. Tu t'approches trop, là, fais attention. Recule vite. Rav Lachem Ben Elevi. Assois. Arrête-toi. Mais il ne peut pas. C'est pas une tava de kavot stam medoumé comme l'on croit. C'est gadlout. Et donc là, il veut l'arrêter, mais il n'arrive pas à l'arrêter. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit que la terre, elle ça veut, qu'elle va rouler. Non, Shaolam, il n'y avait pas autre chose à faire. Moshe Rabbeinu, au korat fila, titpanel bishvilo. Prie pour lui. Titpanel bishvilo, qu'Hachem lui donne le da'at, la bina, la chokhma, pour pouvoir se calmer lui-même. Il arrive à reprendre la raison. Alors. Et pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour les ministres d'Israël, donc s'ils ont fait leur état égal,
Il n'a pas prié pour les Israël lorsqu'ils étaient mitlonénim, vous roulez. À chaque fois, Hachim, il avait bouché à lui prier. Et combien de fois, bon, l'âme, s'il n'avait pas prié, il voulait les détruire. C'est-à-dire que l'Amida Tadin voulait les détruire. Là aussi, c'est Amida Tadin. Alors pourquoi, Moshe Rabbeinu, pitom, tu encourages l'Amida Tadin? Oui, il faut les avaler, il faut les exterminer, il faut les tuer. Mais attends, qu'est-ce que t'arrives, Moshe Rabbeinu? T'as l'homme et la Metzrout à l'âme Israël? Tu sais très bien que tu ne parles pas ici de Mouchratim. Tu parles de grandes personnes. C'est déjà pour des bonhommes qu'on puisse faire Ketaïgel, qu'on puisse faire des plounotes contre Hachem, se révolter contre Hachem. En train de dire, on retourne en Égypte, effroulés. Tu as prié pour eux. Alors qu'Hachem, voyez ici, Kaviachol, ne chousse pas envers Hachem. Ici, tu ne pries pas. Parce qu'ils ne viennent pas contre Hachem. Au contraire. Rotsim Likdol, il va s'approcher de Bolor Lam, ça raconte. Pourquoi tu fais ça? C'est comme si maintenant à la maison, nous, il y a deux enfants qui sont en train de s'utiliser parce qu'ils veulent s'approcher de papa. Pourquoi? Parce qu'ils veulent apprendre de leur père. Ils veulent, les chamèches est là-bas. Et maintenant, il éclate une dispute entre les deux à cause de ça. Okay. Et le grand frère, par rapport au petit frère, il est en train de faire une clala, que la terre est sauve et que tu meurs, que tu vas aller dans la terre rouler. Le père, il entend ça. Il va lui tirer les oreilles. Il me dit, tu vas pas de parler comme ça. Petite paillage, c'est ton frère. Pourquoi il se dispute avec toi? Parce qu'il veut s'approcher de moi. Il veut faire ce que tu as fait toi. Il veut faire lui aussi. Pourquoi il fait ça? Alors en fait, il y a un ravi où il y en a très solide là-dessus. Il dit comme ça, que lorsqu'il s'agit d'une avera, Shadam rachok miatchuva, avera azot, ta rachok miatchuva. Il faut savoir que dans ce cas-là, en rachamim, radim. Là, il faut prier tout de suite pour que le volomi meure. Il vaut mieux qu'il s'en aille de ce monde. Quand la avera est au stade, chez karov la tchuva. On va expliquer c'est quoi karov, c'est quoi le karov. Alors là, il a qu'il a mis, dites pas l'aile, Adasof. Tore rachamim, Adasof. Parce que c'est karov la tchuva. Mais quand c'est loin de la tchuva, elle, ragdim. Elle va chez un moutre zakai, beloya moutraya. Chez un moutre zakai, beloya moutraya. Donc ça, c'est le moussab où on voit plutôt le ben soro moré. On voit ces notions-là. Comme par exemple, qu'un homme, comme on dit là-bas, qu'on prend de Tamar là-bas, qu'il vaut mieux se brûler dans le feu que de faire honte à quelqu'un en public. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu l'as assassiné. Et là-bas, on te dit brûler, quoi, mourir, se jeter dans le feu. Ben maintenant, on ne peut pas le raisonner, le bonhomme. On ne peut pas lui parler, le raisonner. Pourquoi? Parce que chez Adam, on sait d'avoir casé la bouteille, Balmenan, et le chédek l'air là-bas. Il demande à Bino Yona, je ne comprends pas. Ça, c'est comme Rotsear. Rotsear, il chloquait l'éclat au lama-bas. Rotsear a pris qu'il a tué quelqu'un. On l'amène au Bedin. On le condamne à mort. Ouais. On lui fait subir sa sentence. Où il va après ça? Il va au lama-bas. Parce qu'il a fait tchouva. On ne le tue pas sans faire tchouva. La mort du Bedin, elle a son avantage, son inconvénient. Son inconvénient, c'est qu'on te condamne à mort. Mais son avantage, c'est que là-bas, Habibi, tu fais tchouva. Parce que le Bedin ne te tue pas tant que tu ne fais pas tchouva. Donc tu fais tchouva et après il te tue. Donc là, tu vas au lama-bas. C'est comme ça. Pourquoi Madvin Ben Haveru Berabim et le Chélek Laolamaba? Alors que le Rotsea, qui est Sahakor, qui est le Av, alors que là-bas c'est la Tolda, c'est le Tolda de Rotsea. Lui il n'a pas Olamaba, lui il a Olamaba, c'est quoi ça, Venafru? Il dit Rabino Yona Isotasu. Il dit Bigasha Rotsea Karov le Tchouva. A Madvin Ben Haveru Rahok Mila Tchouva. Le Madvin Ben Haveru Berabim, il ne voit pas le problème qu'il a fait, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Il ne comprend pas le mal qu'il fait. Il fait honte à quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Ben on plaisante, on rigole, il n'y a pas de mal. Heureusement, on ne l'a pas tué, non? Je ne l'ai pas tué. Donc, mais là, il est rachok, mais tchouva. Celui qui est rotséa, ou karov, la tchouva. Parce qu'il voit le mal qu'il a fait. Il n'a pas d'aramina de croire, une fois qu'il a fait ça, qu'il a bien fait. Peut-être sur le moment même, il a perdu la tête. Il a pris coup, vadek, il est mitraret. Vadek, il se rend compte qu'il a tué quelqu'un. Et donc là-bas, il est karov, la tchouva. Il dit, tout maasé que l'homme fait dans sa vie, qui l'amène à se rendre compte de son maasé et d'être karov le tchouva, un homme comme ça, il mérite rachamim. Il mérite qu'on prie pour lui. Il mérite qu'on le sauve de la mitat adin. Mais un homme que chas shalom, son matzav, l'amène à ne pas se rendre compte de ce qu'il fait et qu'il rachok la tchouva, elle, shiamut. Shiamut zaka, il veut le yirir. Nora Gayon, mon frère. Nora, ce nian là, comment on voit du Rabbi Noyona, en bataille, la vigne d'avoir casé. On dit que Hiskia au Melech, lorsque le Navi, comment il s'appelle le Navi là-bas, Elisha Navi, ouais, je crois Elisha Navi, il est venu à Hiskia au Melech, il a dit, Mod velotirie, Tamoul velotirie, Tamoul barolamazé, velotirie barolamaba.
C'est quoi? Tu as perdu Olam Hazeh, Olam Haba. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu as décidé de ne pas amener des enfants. Il a dit, mais j'ai une raison pourquoi. Il dit, quelle raison? J'ai vu qu'ils vont sortir des Rechaim. Je ne veux pas amener des Rechaim dans ce monde qui vont énerver leur créateur. Il lui dit, mais qui ça, des Rahmanam, Maïbaé? Qu'est-ce que tu rentres dans les Rishmonot d'Hachem? Tu rentres dans les Rishmonot d'Hachem? Si c'est comme ça, tu es condamné. Ah, mais là, pareil, il explique là-bas pareil. Pourquoi condamné? On est condamné à mort parce qu'on ne fait pas Pierre Uribia. Pierre Uribia, c'est pas une avéra qu'on est condamné à mort. Alors, rigueur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été mévatel assez, il s'est assez. Mais tu n'es pas condamné à mort pour ça. Pourquoi il veut dire que tu es condamné à mort? Il gâche ta rachok meachouva. Et pourquoi? Parce que j'ai vu Beruah HaKodesh. Si on me montre Beruah HaKodesh, que mes enfants vont être des Rechaim, c'est bien pour me faire comprendre que quoi? Que j'ai raison de ne pas les amener. Parce que sinon, pourquoi on me montre? Donc si on me montre, c'est pour me prévenir. Donc c'est pour ça que je ne veux pas les amener. Quand ton Cheshbon Chas V'Shalom t'amène à faire une avera, ou tu as mamash moré eter ba avera shecha. Tu as moré eter, tu es tzodek bemash ta'ose. Dans un cas comme ça, Adif Shiamou Zakai, il peut le qui parle de ce monde. On voit la même chose. On voit la même chose avec Rizkio Meler et Korah. On est la même chose. Korah, qu'est-ce qu'il a amené à foutre? Mara Korah. Il a vu Beruah HaKodesh, comment il va sortir de l'Ushmoel la Navi. Qui Shakul Kengel Moshe Baron. Kav Dalet Mishmele Keuna. Kodesh Kodashim qui vont sortir de lui. Il a vu ça, il s'est dit, tout ça va sortir de moi. Et je vais rester un second, je vais être un premier, je vais être en avant, moi, je ne vais pas rester en arrière. Le fait qu'il a ça en tête, Rabotai, même si Moshe Rabbeinu le secoue dans tous les sens, même s'il lui fait comprendre qu'il est en train de se tromper, il ne peut pas comprendre qu'il se trompe. Il voit Beruah HaKodesh. Vous voyez Beruah HaKodesh ou Tzodek, Rabotai. Un homme qui a une perception comme ça de la vie, rien ne peut l'aider. Ni le Moussar, ni son Rav, ni les Torahot, ni les Nyanim, plus personne ne peut t'aider, tu es mort. Là, tu es mort. Moshe Rabbeinu le sait très bien. La plus grande Rahmanoul qu'il peut avoir pour lui, c'est quoi? Qui meurt tout de suite. Chez Mouzakai, avant qu'il y ait plus de dégâts que ça. Parce que là, il va arriver des dégâts. Le Magid Midouda donne un machal à ça, Nifla, pour comprendre machal et Madavar Domé. Qu'on comprenne Rabotai en quoi ça nous concerne à nous. Parce qu'il faut toujours amener vers nous, sinon on n'a rien gagné. Alors. Il dit comme ça. Machal et Adam Shayor et Baderer. Le bonhomme, il marchait sur la route. Il était en train de marcher comme ça sur la route. Et sur la route, Pitom, il s'arrête pour casser la croûte. Il veut manger un petit bout. Il a son sandwich là-bas, il ouvre son machin, il commence à manger. Et Pitom, il voit devant lui deux oiseaux qui se disputent. Deux oiseaux. Comme ça, en train de mettre des becs sur le crâne, en train de s'énerver. Il essaie de lui faire un coup de karaté avec ses ailes. L'autre, comme ça, va couler. Jusqu'à que un, il était plus fort que l'autre. Tac, il y avait un coup de tête avec le bec. Et l'autre, il l'a tué. Donc, l'autre, tu vois, c'est comme ça. Et l'autre, il commence à le regarder. Pip, 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 pip. Comme ça, il regarde. C'est un même mystère. Il est mystère, c'est son copain, sauf ça. Bon, ils sont énervés, mais il l'a tué, mais il a l'habitude ça de voir son copain mort. Alors, il essaie de le réveiller, le soukou comme ça. Bon, et l'autre, il regarde tout ça. Il est comme ça. C'est un spectacle. Il dit, mais c'est quelle belle nature, comment Hachim l'a fait les choses. C'est impressionnant pour ça. Alors, il voit ça. Bon, et à un moment donné, il voit que l'oiseau, il s'en va. Et, alors, il veut regarder si l'autre, il est vraiment mort. Donc, il le prend pourtant comme le soukou, il voit, ouais, il est mort. Bon, et puis Tom, pendant qu'il fait ça, il voit que l'autre il arrive. L'autre, il revient. Il revient avec une brindille. Avec une tige comme ça dans la bouche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se retue comme ça, il le laisse, puis il peut se venir. Et l'oiseau, il vient comme ça, il prend la tige comme ça, il commence à lui donner des coups sur la tête, à l'autre oiseau. Ting, 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 comme ça. Et puis, tombe l'autre oiseau, il se réveille. Ils s'en vont ensemble. Voilà comment il va. Maintenant, le bonheur, il voit ça, il dit quoi? Je t'en parle, je suis malade, je suis refait. Je suis refait. Tu te rends compte un peu? C'est la tige pour faire triatamétime. Waouh, elle est belle. Ça valait la peine ce voyage que j'ai fait. Il prend la tige, il est sur lui. Avec ça, Habibi, je vais me faire un oseille. Elle est belle, très habituée, tu rigoles quoi. Dans les hôpitaux, les nianis, tu sais comment ils vont courir derrière moi. Maintenant, il va pour rejoindre la ville, pour faire breveter sa découverte. Il faut la faire breveter pour avoir une exclusivité et que personne ne va s'amuser à chercher ailleurs dans le monde. Maintenant, il se dit attends, il ne faut pas s'emballer. Il faut être sûr de son coup. Parce que si jamais, Hazb Shalom, en fait, je me suis gouré, c'est la chouma pour moi. C'est l'effet inverse, quoi. Je vais passer pour un débile mental, Bichlal, que l'on va mettre en quarantaine sur toute la planète. Donc, attends, je suis sûr de mon coup. Donc, il faudrait que je fasse l'expérience. Je vérifie. Alors, il marche, il cherche un truc pour faire triatamétime. Bon, ça marche. Et en marchant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un lion mort. Il dit,
pas chez mon lave, elle est belle, magnifique. Je vais faire l'expérience et je vais voir si je peux le ressusciter. Bon, il a oublié un truc, c'est quoi? C'est que si jamais ça marche, c'est un lieu, on n'oublie pas. Bon, il a oublié. Il était concentré avec la tige, quoi. Ah, il prend la tige, comme ça. Il a mangé. Voilà le cipour. Parce qu'il y a une fin tragique, il est mort. Voilà, comme ça. Ça, c'est le cipour. Ça, c'est le machal, il dit le Maguid Moudouza. Le nimchal, c'est quoi? C'est que, chas ve shalom, un homme pourrait rabotailler dans sa vie avec les kohotes qu'on lui a donnés, qui sont des kohotes qui sont capables de faire ressusciter un mort. Makavana, c'est quoi ressusciter un mort, rabotai? Triatamitim, c'est le niveau le plus haut, c'est le niveau de le summum du Mesilat Yesharim. C'est la madriga la plus haute qu'un homme il atteint dans sa avodah ruhanit. C'est le niveau le plus haut qu'on peut atteindre. Triatamitim, là-bas dans le Machal, c'est pour le Nimshal de dire qu'Hachem peut donner des fois un homme des kohotes d'arriver à des niveaux très très hauts. Très très hauts. Mais attention, fais attention comment tu te sers de ça. Parce que si tu te sers de ça, Haz Shalom, pour ressusciter un lion, il va te manger. Alors, ça c'est le Machal. Comment c'est le Nimshal? Aujourd'hui, on vit dans un monde, on vit dans une société où, si vous regardez bien autour de vous, on vit dans un monde où on n'arrive pas à faire ressusciter les lions. On veut ressusciter les lions à bout. L'iPhone, l'ordinateur, les loisirs, les nianim, tout ça à bout. C'est des kohotes que l'homme il a en lui. Tu as des kohotes, tu as des capacités, tu as la force à Dibourg, le corps à Dibourg, tu as la force de prendre des projets, tu as la force de mettre des choses en place. Fais attention, ces choses-là, où elles t'amènent. Parce que ces créations, elles sont belles. Olam, il n'a pas donné toutes ces possibilités et tous ces progrès dans le monde pour tuer le monde. Il les a donnés pourquoi? Au contraire, pour construire le monde, pour s'en servir pour le bien, pour faire des bonnes choses avec. Maintenant, tu as le libre arbitre. Si c'est une bonne chose qu'Hachem t'a donné entre les mains, tu t'en sers pour des choses mauvaises. Oh, il va voir, Rabotai. Combien moi je vois? Je vois Rabotai en tant que Majguiar, moi je vois les Bahourim. Combien je vois des Bahourim qui se baladent avec des brindilles? Il y en a des brindilles à la Giro. Il y en a beaucoup. Les brindilles. Ils ont dans leurs mains la bouteille. Ils peuvent faire ressusciter des morts avec. Des capacités inimaginables. Des capacités inimaginables, malheureusement. Mais qui s'en servent en bouteille, malheureusement, que dans le mal. Que dans le mal. Plus dans le mal que dans le bien. Plus dans le mal que dans le bien. Un, ça va être son côté humoristique. Alors, ça va être son côté, comment dire, Kouachadibour. L'autre, ça va être son côté... comment dire, passionné. L'autre, ça va être son côté sensible. Chacun a des qualités exceptionnelles à la bouteille. C'est marrant, on observe ça, c'est magnifique de voir ça. Mais la baïa, c'est quoi? C'est que tu t'en sers mal. Tu t'en sers mal, et alors qu'est-ce que ça fait? Ben, tu ressuscites un lion, et ce lion, il te mange. Tu es mangé par tes propres armes. Tu es mangé par tes propres qualités. Tes qualités, c'est elles le danger numéro un, avant tes défauts. C'est-à-dire, tes défauts, on les connaît. Les défauts, on les connaît. Comme ça, ils disent en vision sanitaire. Méfie-toi de tes qualités plus que de tes défauts. Tes défauts, on les connaît. Le bonhomme disait, je suis coléreux, je suis pas le tabac, je suis pas le kina, je suis comme ça. Ça, tout le monde connaît. C'est pour ça que toujours, quand tu demandes à un bonhomme, écris-moi tes qualités, il sait plus. Il sait pas où il va pas savoir les repérer bien comme il faut. Par contre, les défauts, tout de suite, tu te dis, j'ai ça. Parce que là-bas, tu vas pas aller loin avec ça. Tes défauts, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être plein en colère, tu auras honte toi-même de tes colère. Qu'est-ce que tu vas faire au pire? Tu vas t'énerver dans la pilmière là-bas, tu vas mettre un coup de but à quelqu'un. Ce qui m'est arrivé hier soir. Alors, il faisait du bruit dans la pilmière, j'arrêtais pas de lui dire Gezelchena, Tim Payeshra, c'est Gezelchena. Il voulait pas écouter le Mahboul. Et à un moment donné, j'ai dit ça suffit, arrête de verre. Alors, il m'a dit quoi que je suis un peu heureux. Je dis boum, je me couche. Et voilà, et malheureusement, il est à l'hôpital, dans le maintenant. Maintenant, il est à l'hôpital. Et je m'en veux. Pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas de problème? Parce qu'il sait qu'il a bien fait. Il n'a pas besoin de toi. Lui-même, il est mal avec ce qu'il a fait. Il est mal, au contraire. Il n'a pas besoin que tu fasses une moussard pour l'écraser encore plus. Il est déjà écrasé, il n'en peut plus d'être écrasé. Au contraire, il faut même lui remonter le moral. C'est tellement qu'il est écrasé de ce qu'il vient de faire. C'est tellement qu'il est conscient du mal qu'il vient de faire. Par contre, où est-ce que tu as besoin d'aide? Tu as besoin d'aide dans tes qualités. Dans tes qualités, c'est là où tu excelles, là où tu as des korotes à dirim. Et ces korotes à dirim, malheureusement, tu t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte pourquoi Hachim t'a donné ses corps, pourquoi il t'a donné ses capacités, pourquoi il t'a donné cette force. Et malheureusement, le Tzara, il a tellement peur de ta brindille. Qu'est-ce qu'il fait?
Il te sert de ça, il se sert de ça pour t'amener là-bas et aller ressusciter des lions. Aller ressusciter des lions, Rabotai. C'est ça la baïa, elle est là. La baïa, elle est très grave. Tronora Vayom. Combien, Rabotai, un bachour, Mamash, tu vois, il arrive à l'Eshiva. Tu vois ici un potentiel de folie, Rabotai. Une capacité puissante ici d'un bonhomme qui peut devenir un Gadol b'Israël. Il peut devenir un Gadol b'Israël. Qu'est-ce que ça fait? Parce que les Gdolim b'Israël, d'où ils sortent? Eh bien, d'ici, des Chivotes, des Chivotes. Ils sortent des Chivotes. Ils étaient comme vous, des petits, un petit parigo qui arrive comme ça, avec son petit bolo chaud, ça, vous voulez, il arrive comme ça. Et comme ça, putain, d'un petit poussin, il est sorti un aigle. Et tu crois, Roche Salman, c'était un petit poussin au début, il est sorti un aigle. Afraïmo, c'était un petit poussin, il est sorti un aigle. Tu crois qu'il se doutait un moment, un instant, là où il était, que c'était lui le futur gardien d'Israël, où il roulait. La même façon, toi aussi, c'est pareil. Miodéa, Miodéa, avec qui on est en train de parler, là. Putain, un des futurs donnés d'Israël. Seulement, qu'est-ce qui peut, comment dire, gêner ça? Qu'est-ce qui peut compromettre, par exemple. Qu'est-ce qui peut compromettre à voter à cette chose-là? Ce qui peut compromettre cette chose-là, c'est la tige. Qui, malheureusement, tu avais en toi des qualités exceptionnelles, mais ces qualités, malheureusement, tu les as mis où il ne fallait pas. Maintenant, c'est facile de comprendre comment ça s'est arrivé. Comment ça est arrivé? Eh bien, son père et sa mère, ils lui ont dit, écoute, tu es quand même capable. Tu dois faire des études de médecine. Tu es quand même capable. C'est dommage de garder un potentiel pareil pour devenir un avrer. C'est du baltacherie. C'est haram, c'est péché, ça. C'est péché. Parce que devenir un avrer, quand même, c'est... Qu'est-ce qu'il gagne, un avrer? 2000 shekels par mois. 2000 shekels par mois, un cerveau pareil. Tu crois que pour le Rolam, il s'est fatigué à te donner un cerveau pareil? Ouais. Pour gagner 2000 shekels par mois. Dis-moi, c'est pas péché, c'est pas haram, franchement. Moi, en tant que père, je suis responsable de te protéger de ces mauvais conseils qu'on peut te donner, mon fils. On veut te rendre un tafran, un misérable, qui va vivre comme un mendiant qui va faire l'aumône. C'est dos au cul. Ahnasat kala. Je vous demande, mes enfants, Ahnasat kala. Quelle honte! Quel boucha! Et c'est bisaïon. Quoi, c'est ça? C'est ça, comment dire, ce qu'on espère atteindre avec un cerveau pareil. Monsieur le rabbin, proposez ça aux échecs, aux épaves, les épaves. Vous avez des épaves, les chimarons? Alors, toute la partie épave, voilà, ceux qui deviennent ouvrir. Vous les avez sauvés. On ne pourra que vous remercier. On ne pourra que vous faire des louanges pour ça. Parce que c'est des bonhommes, on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir dehors. On voyait bien que ce n'était pas des grandes réussites. Ce n'était pas des gens brillants. Ces gens, quand ils ne sont pas brillants, c'est une bonne chose qu'on les mette comme ça, dans un collège comme ça. Ne vous inquiétez pas, on sera là. On sera là pour sponsoriser. On les aime. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors. Mais les brillants, les bombes. Mais on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. C'est des avenirs. C'est des gens qui ont des corottes à des rimes. On ne peut pas sacrifier comme ça, Hazel Shalom. Un bonhomme avec des corottes pareilles, par le ménage, le voir devenir un avraire. C'est pas dommage, Rabotai. C'est ça, Rabotai. C'est la brindille qui a réveillé Rabotai, le lion, et qui t'a éjecté d'être celui qu'Hachem avait prévu ici. Tachim, il a donné des corottes à Dilim, à ce bonhomme. Il a donné des corottes. Mais ils ont les servis pour ressusciter le lion. Pour aller croire que j'ai des choses à faire qui sont plus importantes. Que de m'intéresser à des Inyanim Rouhanim. Plus importante que ça, Rabotai. On voit ça que comme quelque chose qui est chouli, qui est secondaire. Secondaire. D'utiliser un cerveau pareil pour aller faire des hakirot. Alors qu'il y a tellement de choses importantes dans la vie, dans le monde à traiter. Tellement de choses importantes à créer et à développer. Qu'est-ce que tu amènes dans le monde? Qu'est-ce que tu amènes dans le monde avec tes bonenou, avec tes hijbonot, avec tes nyanim, avec ton tikkun amidot, avec ta vota tachem, avec tes misvot? On n'a pas dit que non, il faut faire une misvot, mais l'olam, il existe l'olam. Il faut le développer, il faut les kadem auto, rouler. Ça, Rabotai, c'est le chibouche le plus grave qui peut exister depuis la création du monde. Depuis la création du monde, c'est le chibouche le plus grave. On n'a jamais pu imaginer qu'il peut exister. De voir effectivement comment, Balmenan, tes propres corottes peuvent devenir demain ton ennemi numéro un. Tes propres corottes. Parce que c'est ça, Rabotai. D'arriver à me mettre à prendre comme corlach, de voir ce qui sort de moi, d'être capable, Rabotai,
comment dire, de rester en, au garde-à-vous devant les règles de, du Emet, les règles de la Torah. La Torah, elle veut comme ça, on bouge pas. On accepte ce que la Torah a dit. Prendre ça comme le tahrid de la vie, le tahrid de ce qui s'appelle Da'akora. Et Da'akora, il dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne rentre pas des riches bonheurs maintenant. On ne va pas commencer à entrer des pitpoulim, et des svarot, et des idiotes, et des marchavot, et des diukim. Pourquoi? C'est Da'akora. Da'akora, il a dit, comme ça, c'est comme ça. On ne réfléchit pas. On réfléchit pour comprendre Da'akora, mais on ne réfléchit pas pour contredire Da'akora. Et d'avoir casé. Si ta réflexion te sert à contredire Da'akora, c'est la brindille qui a fait ressusciter le lion. Ce lion va te dévorer, va te manger ce lion. Parce que tu es en train de faire de ce que tu as comme capacité, qui a dû te servir normalement à te soumettre au Da'atora, tu es en train de t'en servir par le contre Da'atora. Tu es en train de servir des kelim, pas de soumim qu'on t'a donné, pour aller contre la Torah. C'est chez Marahem et Abakazé. C'est Achim et Soukan. Al-Kedekar comme Moshe Rabbeinu, Yotsema Kelim Shelo. Il dit Adkan, qui meurent tous, qui brûlent tous. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus de Hamim, il n'y a plus de Hamim. Quand les Israéliens sont en train de faire le vaudo, c'est pas Mesoukan. C'est pas, ils ne développent pas une chita. Ils ne développent pas une Ashkafa. C'est Tava, c'est marqué là-bas. Ils ont fait Avodazara parce qu'ils voulaient Arayot. C'est la Tava, c'est pas. Ça, tu vas se prendre une tarte, il va se calmer le bonhomme parce qu'il va comprendre au bout d'un moment qu'il est en train de perdre la tête. Mais quand le bonhomme, tu le vois venir avec une chita, avec une Ashkafa, avec un Derech Haïm, il vient avec un Derech. Il vient avec des arguments. Waouh, ça c'est Mesoukan. Ça c'est Mesoukan quand tu commences à habiller. T'es Averot en Ashkafot. T'es Averot, tu les habilles avec des Ashkafot. Tu viens maintenant m'amener des rayotes, des preuves à l'appui pour montrer qu'il y a un Akhilamu, que c'est comme ça et comme ça et comme ça. Oh, il va voir. Ça, c'est Akhil Souka. Ça, c'est le plus dangereux qui peut arriver à un Benadam Moudin. Donc, s'il y a une chose en Moudin qu'il faut se préserver dans la vie, dans sa Vodat Hashem, c'est surtout de faire attention au Kelim, au bon Kelim qu'on a. Et de faire attention, comment je m'en sers? Comment je me sers de bien bon Kelim? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mania Oseimze. Oh, il va voir, il rentre. Il dit qu'une fois avant le Kotler, à l'écoute, il est rentré en plein Souda Shlichit. Il renaît à Souda Shlichit. Et quand il est rentré à Souda Shlichit, il y avait franchement le bar, Karlibar, qui était en train de chanter. Vous connaissez les chants de Karlibar? Je ne sais pas qui c'est Karlibar. C'est pas Bob Dylan, Karlibar. Karlibar, c'est les chants dans les Rolama Yeshivot, c'est les chants. Les chants dans les Rolama Yeshivot. Et tu sais qui c'est Karlibar? C'est bon. C'était un Talmid de Ravan Kotler. Ouais. Il a écrit des chants. Des chants qui sont les chants qu'on chante dans les Shivot. Les Shivot, ce sont des chants de très beaux chants. Ce sont les chants qu'on chante dans les Shivot. Et lui, il a l'origine de ces chants-là. Normalement, si vous avez l'occasion d'aller à Sfat, vous savez que c'est où Sfat? Matsafon. Ouais. À Sfat, là-bas, hein, tiens, la Beta Knesset, là-bas, dans la vieille ville de Sfat, là-bas. Ouais. Si vous allez une fois là-bas, moi je vous conseille d'aller. Je vous conseille d'aller, Shabbat, si vous êtes Shabbat là-bas, demandez où est le Minyan avec les Nigounim de Shlomo Karlibar. Comme ça vous demandez. Ah, mais, ah, c'est là-bas. Tu vas arriver là-bas, tu vas voir là-bas tous les Bnei Torah de la planète Terre. De toutes les grandes Yeshivot, ils sont là-bas. Dans les Ben Azmanim, ils sont tous là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des Chazanim qui sont bâtis dans les champs de Karlibar. Ils te font tous les radodis, mis mon chéri au machabat, et tout ça, mais tu sais, de la folie. C'est la planade atomique. C'est l'ournée que Shabbat, le repas que tu manges avec, c'est battel ou mevoutal par rapport à ce que tu as pu ressentir là. C'est les belles, mais le certificat. C'est leur belle certificat, le certificat. C'est le chigan. Hyper puissant. C'est hyper puissant. Surtout que ce sont des razines qui savent bien chanter. Ils ont des belles voix. Ils savent bien faire la mélodie. C'est magnifique. Et lui, il a l'origine de ça. Où il étudiait? Il étudiait à l'écoute. C'était un des Talmidim de Ravan Kotler. Une bombe atomique. C'était une bombe atomique, le bonhomme. Mais par contre, il avait un don dans le chant. Il savait chanter. Très rassasié dans le chant. Et donc, où est-ce qu'il utilisait ça? La Yeshiva. Entre autres, à Souda Shishit. C'est le moment où les barons, ils aiment bien comme ça, faire des chants comme ça, de languissement. L'engouement. Donc comme ça, bien comme ça. Donc, c'est pour eux. Et donc c'est un moment où l'élévation, c'est trop ému de rouler. Donc, lui chantait comme ça, il est pas comme ça. Il avait qui pleurait, il avait qui était hommage bien. Il m'a dit, je me dis, écoute, ma chère, mon transman. Comme ça. Et
Aaron Kotler, une fois, il est rentré comme ça, parce qu'il habitait pas loin de la Shiva, il est venu à son Yeshiva. Parce qu'il a entendu que c'était Machou Murad. Lui, le Rosh Yeshiva, il ne savait pas le quai d'écart, que la Soudashi, c'était Machou Murad. Et on lui avait dit, il faudrait que le Rav vienne voir, vous savoir ce que c'est Machou Murad. Bon, s'imaginez pas ce que ça peut être. Et une fois, il est venu, comme ça, sans prévenir personne. Et donc, les élèves, ils étaient en plein envoûtement, donc ils n'ont même pas vu que le Rosh Yeshiva est arrivé. Et donc, il s'est mis comme ça devant la porte, discrètement, sans que personne le voit. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves là-bas, il y a moins 1500 élèves, donc c'est un gros lame. Donc il essayait de compter comme ça, il regardait. Dans un truc chaud, il est compté. Il est au milieu comme ça. En train de faire monter les élèves. Les élèves. C'est gigant. Et puis, Tom, ils voient tous, avant le côté, qu'il l'a dans le coin. Bon, ils n'ont pas voulu arrêter parce que. L'engouement était trop fort, donc ils ont laissé, il a fait signe à tout le monde, ils ont laissé, ne vous levez pas, ne faites pas, laissez, je restais dans l'ambiance. Et puis tout, il voit encore une corde, il s'est mis à pleurer, la drive code, il s'est mis à pleurer. Les Talmidim lui voyaient ça et dit, il a été le Ragesh Ravon Kotler, il a réussi à, Kavirchol, à sensibiliser Ravon Kotler. Quelle force, comme ça les élèves y croyaient. Bon, ce rachis s'est terminé, ils ont fait un vite. Après, les élèves qui étaient proches du Rav, proches de Ravon, ils sont venus vers le Rav. C'est pour le Rav. Raïnou, on a vu le Rav, quand Rav Boré, avait Trakesh. Il dit, qu'est-ce que Trakesh Timot? Il dit, mais ma Rav Trakesh, Shibano Gadol Bisraël. On a perdu un Gadol Bisraël. C'est... Il leur a mis une tarte à Bibi. On a perdu un gadol d'Israël. Nous, on croyait qu'il était mitragèche du chant, du nigoun. Il a dit, on a perdu un gadol d'Israël. Il a mis toute sa force là-bas. Il a vu comment il mettait toute sa force là-bas. Il a vu comment. Alors, c'était un hilouï. Je ne me rappelle pas, c'était un hilouï. Il voyait comment, quand il étudiait, et comment il développait une zvara, il ne voyait pas l'envoûtement qu'il y avait quand il chantait. Pour ça, il s'est dit, il bat nos gâteaux. C'est le travail en Mamboutaï. Il y a une takana à Poniovichka aujourd'hui. À Poniovich, il y a une takanashka aujourd'hui. Que Rav Rizkel Levenstein l'avait tranché à l'époque. Une takana. Que à Poniovich, interdit de chanter des chants de Shabbat. Si vous avez passé un Shabbat à Poniovich, il n'y a pas de chant de Shabbat. Il y a des vrais Torah et tout ça, mais il n'y a pas de chant de Shabbat. À table, au réfectoire. Pourquoi? À cause de ce sipour. Parce que Rav Rizkel Levenstein l'a dit comme ça. Il a dit. Un élève à l'Yeshiva doit être excellent par son limoud, mais pas par ses chants. S'il est excellent par autre chose que son limoud, corniche, il vaut zéro. Et ça peut le tromper de croire que voilà, on peut valoir quelque chose avec autre chose. Et c'est vrai que quand tu n'es pas bon en limoud, alors il faut que tu sois bon en autre chose. Ah, il va être bon en faire des blagues. L'autre, ça va être le clown. L'autre, ça va être le blagueur. L'autre, ça va être le... Comment dire, les jeux de mots. L'autre, ça va être celui qui sait chanter. L'autre, ça va être la Dorboka. L'autre, ça va être les blagues à minuit. Il n'a pas trouvé un autre horaire. C'est toute la journée, tu n'entends pas. Ouais, le soir, à Hatzot, Pitom, il vient. C'est le Satan. Comme le Satan, Marhamavet, il apparaît à minuit. Quoi, toute la journée, où tu étais toute la journée? Ah, il est matmide, là. C'est très matmide. Mais à minuit, le soir, il arrive, et là, c'est les blagues. C'est la soirée ouverte. C'est-à-dire, la journée commence maintenant. Non, là où la journée doit se terminer, lui, elle commence la journée. C'est ça, Rabotai. C'est Cholban. C'est Khorban. Pas Khorban que c'est interdit de se détendre. C'est bien de se détendre. Puis tu mets tes korot, tu mets tous tes korot dans un truc. Que tu sois, comment dire, un peu de détente, un peu de simple, ça va, à Kol Bemida, tout est bien mesuré, tout est bien pesé chez toi. Mais quand tu sens que tu as une qualité et que cette qualité, tu la mets complètement là-bas, et tu sens cette chose-là, Bibi, elle te donne un couloir, elle te transporte. C'est Khorban. Là-bas, c'est la chose la plus dangereuse qui peut arriver à quelque chose, à quelqu'un. Pourquoi? Parce que pour la chouva, parce qu'il est, il comprend pas qu'il fait quelque chose de mal, il voit pas le mal. Au contraire, il sent qu'il fait que du bien autour de lui. Il sent qu'il donne de la simra, il donne de la joie, il donne des trucs. C'est bien quelque part, mais c'est trop de corotte dans un autre domaine que la Torah. C'est trop de corotte. Qui est comme ça, c'est bien. Aval kol bemida. Shem hinu zaken.